Après l'église d'Abidjan, c'est la région spirituelle du Bélier qui a accueilli la Hope Medical Clinic dans le cadre de sa campagne de bilan de santé 2023. Seigneur, nous prions que tu commences et que tu achèves, Seigneur, oh Dieu, dans ta parfaite volonté, selon les plans que tu as prévus pour nous, Seigneur. Nous prions que tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Dirige chaque prélèvement, dirige chaque événement, dirige chaque test, dirige chaque chose. Seigneur, oh notre Dieu, que ta volonté parfaite s'accomplisse pour chacun de nous, pour nous tous et pour l'Église. Nous te supplions, Seigneur, bénis toute personne, Seigneur, qui travaille ici. Donne la sagesse et l'intelligence, Seigneur, à tous les techniciens, oh Dieu, agis selon ta volonté. Nous prions, Seigneur, que tu sois au contrôle toujours chose d'un bout à l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était le 27 mai dernier à Yamsoukro, précisément au centre chrétien de Kokrenou. Tout le dispositif mis en place très tôt le matin avec l'équipe médicale menée par le pasteur Cyprien Kwaku. C'est dès 7 heures que les premiers frères se sont rendus sur les lieux pour répondre à ce rendez-vous médical. Je suis là depuis 7 heures. Il était important pour moi de faire ce programme parce que c'est important de savoir aujourd'hui si on est vraiment en bonne santé. C'est vrai, on marche, on ressent pas de douleur, on ressent pas d'anomalie. Mais je pense que ça, c'était une opportunité vraiment à ne pas manquer. Voilà, il était important pour moi de saisir cela pour avoir un bilan de santé. Voilà, en fonction de ça aussi, s'il y a des traitements après qu'on pourra faire pour maintenir une bonne santé, voilà, autant le faire en même temps, pendant qu'on est jeune surtout. Le pasteur missionnaire Denis Tala, premier responsable de la conquête dans la région du Bélier, précise l'importance de cette entreprise pour l'Église. Vous savez, nous prêchons l'Évangile. Et le but de l'évangile, c'est de bâtir une personne, de bâtir l'homme. Et l'évangile veut dire s'occuper d'une personne dans sa totalité. Donc, dans la prédication de l'évangile, on s'occupe de l'âme et on s'occupe aussi du corps. Donc, la communauté missionnaire chrétienne internationale, s'occupant du salut des âmes, cherche aussi à agir au niveau social. Donc au niveau social, il y a ce que la structure que nous appelons la Hope Clinic qui aide les gens dans le traitement de leur corps, le traitement physique, physiologique. Et c'est dans ce cadre des actions sociales que la Hope Clinic est venue à Yamoussoukro, ayant déjà commencé une campagne de santé à Abidjan, est venue à Yamoussoukro pour continuer cette campagne de santé dans le bilan de santé et dans les personnes des frères et même des gens hors de la communauté, des gens qui ne sont pas de notre communauté, à pouvoir faire un bilan de santé afin de pouvoir améliorer leur santé physique. Donc, on se dit que si une personne se porte bien spirituellement, il faut aussi que cette personne se porte bien physiquement. Donc, c'est dans ce cadre que, étant se portant bien physiquement, ça permettra à l'homme de pouvoir mieux s'occuper des activités spirituelles. Au programme des examens, ionogramme sanguin, NFS, bilan rénal, examen de foie, calcémie, magnésémie, glycémie, prise de tension artérielle et ECG. Le tout au tarif exceptionnel de 17 000 francs CFA. Un rendez-vous médical bénéfique tant au niveau de l'apport sur la bonne santé des frères qu'au niveau du coût très social, comme le témoignent quelques-uns des plus de 162 frères qui ont bénéficié de ce programme. Le coût n'est pas excessif. C'est bien, puisque moi-même, j'ai une fois fait pour le cœur simple à 50 000. Donc, vraiment, c'est à féliciter. Je n'ai jamais fait de bilan de santé. Donc, bon, je suis venu voir ce qui se passe. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. Donc, c'est pour ça que je suis là. Cette année, l'opération bilan de santé est bienvenue pour nous. Parce que c'est très important. Je pense que ça ne doit pas même se limiter. Cela doit être continuel chaque année. Parce qu'apparemment, on se croit en bonne santé, même s'il n'y a pas de symptômes visibles. Mais l'opération bilan de santé peut nous permettre vraiment de détecter certains symptômes, vraiment certaines maladies qui sont dans les débuts, et puis permettre vraiment d'anticiper l'arrêt de cette maladie. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On peut déjà même prévenir des cas vraiment graves que nous ignorons. Et je pense que c'est une bonne chose. Et le coût est vraiment abordable. Le coût est vraiment, en tout cas, abordable. Et je pense que, comme vous le voyez, beaucoup ont participé.
Et je pense qu'on doit vraiment continuer comme cela. Ça fait maintenant pratiquement 5 ans. J'ai fait 3 opérations. Donc depuis cette période-là jusqu'à actuellement, je tombe assez malade. Donc j'ai voulu participer à ça pour voir ce qui se passe, pour pouvoir mettre les choses en ordre. Voilà pourquoi j'ai voulu participer. Le bilan de santé n'est pas seulement l'affaire des plus âgés ou bien des doyens. Il est aussi préférable que les jeunes, plus jeunes aussi, participent à cela. En tout cas, je veux dire merci à Dieu pour cette opération. Oui, sincèrement, l'homme a besoin de connaître tout ce qui se passe dans son organisme. Souvent, on passe des années sans chercher à savoir ce qui se passe. En tout cas, cette opération est bienvenue. Et ça va nous permettre de déceler peut-être beaucoup de maladies en nous. En tout cas, je veux dire infiniment merci pour l'initiateur de cette opération de bilan de santé. En tout cas, notre prière est que ça se répète, pas seulement cette année 2023, mais que dans les années à venir, ça se présente pour que tout le monde puisse savoir, en tout cas, comment est-ce que va son organisme. Pour mener à bien tous ces examens, un travail à la chaîne a été mis sur pied par l'équipe médicale, commençant par les enregistrements jusqu'à l'ECG en passant par la prise des constantes et les prélèvements. En fait, on reçoit les frères, on vérifie leur nom sur la liste et puis on fait la pesée. C'est ce que nous faisons. En fait, ça fait partie des constantes que les médecins doivent avoir pour leurs examens. Nous sommes chargés de prendre la tension des personnes, des patients. Bon, une manière de voir quel est le battement du cœur, comment le cœur travaille normalement. Bon, si c'est bas ou bien c'est haut. Après cela, ils vont pour la prélevation du sang. Nous, on fait les prélèvements et c'est les techniciennes là qui vont au labo avec pour détecter si le patient est diabétique, pour voir le rein. Si le rein fonctionne bien, donc ce sont ces examens-là, pour voir aussi si la personne n'est pas anémiée. Donc ce sont ces genres d'examens qu'ils vont faire. Quelqu'un peut être diabétique sans savoir qu'il est diabétique, donc c'est important de vraiment contrôler, de pouvoir faire des règlements, des bilans. Donc c'est vraiment important de connaître aussi si on a un peu des gens qui sont anémiés, et c'est quand ils sont vraiment chroniques, ils tombent. On dit non qu'il a fait une chute, et pourtant il a anémie. Donc c'est vraiment important de connaître un peu si on est diabétique, si on est un peu anémié, parce que ces choses-là ne manquent pas dans notre quotidien. Ne pas manger, mais manger et contrôler si on est vraiment normal. Donc le taux de sucre, qu'on doit contrôler, vérifier cela. Je pense que c'est vraiment important. Et dans le cadre de la campagne de santé, nous sommes amenés à faire l'ECG. L'ECG, c'est l'électrocardiogramme qui permet de faire un tracé électrique de l'activité cardiaque. Il faut dire que le cœur est un muscle et pour son fonctionnement, il y a un influx, c'est-à-dire qu'une onde électrique qui se propage tout au long du cœur pour permettre sa contraction. Voilà, donc l'examen de l'ECG permet de voir ce tracé-là. Et au travers de cela, on va pouvoir déceler les anomalies, voilà, sur ce tracé. Donc voilà. Donc c'est un examen important parce qu'il rentre dans le bilan cardiaque. Notons que l'équipe médicale venue d'Abidjan a bénéficié d'un renfort de taille des frères provenant de la région du Bélier. En particulier, la sœur Maritala, qui, précisons-le, avait exercé en tant qu'infirmière avant de répondre à l'appel missionnaire. C'est donc avec beaucoup de joie qu'elle prit part à ce programme en tant qu'actrice dans un manteau d'agent de santé qui n'est donc qu'un prolongement de son manteau pastoral. C'est avec beaucoup de reconnaissance au Seigneur qu'elle a participé à cette opération de bilan de santé et elle rend surtout grâce au Seigneur pour le personnel médical qu'il a donné à notre ministère, marque d'une grande bénédiction. Nous sommes bénis dans notre ministère. Le Seigneur nous a bénis avec beaucoup de médecins. On a beaucoup de personnel du corps médical dans le ministère. Et je pense qu'ils ont jugé bon de veiller sur la santé des saints. Oui.
Et en tant que corps médical, ils se sont entendus. Et je pense qu'ils ont décidé de faire ce bilan-là à moindre coût pour permettre aux frères de voir comment, dire, comment ça va dans leur santé, ce qui ne va pas, afin de pouvoir intervenir là où il faut intervenir. Oui. Et nous sommes vraiment très très heureux de recevoir cette équipe, cette merveilleuse équipe dans la région du Bélier. Elle ne manque pas ainsi d'encourager les frères à ne pas négliger l'importance des soins médicaux, qui n'est pas à considérer comme un signe d'incrédulité vis-à-vis de la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour nous guérir de toute maladie, mais juste un moyen pour avoir plus de précision sur son état de santé afin de prier plus efficacement et plus précisément. Quand tu ne sais même pas de quoi un frère souffre, voilà, que quand il a, il souffre, on prie, mais on prie sur quoi? Si on n'a pas quelque chose de spécifique, de précis, bon, on ne pourra pas savoir comment prier. Donc, en même temps, nous prions, en même temps, nous savons que Dieu guérit, mais en même temps, nous encourageons les frères. Quand on dit, par exemple, un bilan de santé, bon, si je fais mon bilan et que je découvre qu'il y a un problème, ok, maintenant, je peux me tenir devant le Seigneur et me saisir de lui pour qu'il me guérisse, mais si je ne sais pas de quoi je souffre. Donc, je suis de ceux qui encouragent à aller à l'hôpital. Pas parce qu'on est incrédule, voilà. Et lorsque il y a à prier, on prie. Notre Seigneur Jésus intervient, il agit. Mais il ne nous a pas interdit de prendre soin de nous-mêmes. Encore que nous avons beaucoup de nos bien-aimés qui sont dans le corps médical. Et je ne pense pas qu'il dirait le contraire. Faisant partie intégrante de l'exercice du ministère pastoral de la CMCI Côte d'Ivoire, cette campagne de santé mise en œuvre sous l'instigation du pasteur Boniface Meunier vient pour répondre ainsi à un besoin critique pour tous les frères qui, au regard du programme Danse de l'Église, ont intérêt à prendre soin de leur corps, qui demeure le premier cheval de bataille pour une contribution efficace à la conquête, comme nous explique le professeur Cyprien Kouakou, responsable de la Hop Medical Clinic et du département médical de la CMCI Côte d'Ivoire. Le Seigneur guérit et nous sommes convaincus de cette vérité. Et étant médecin, j'ai eu à plusieurs reprises de constater l'intervention divine. De même, il n'est pas exclu qu'étant enfant de Dieu, on puisse prendre soin de son corps. Et nous sommes engagés plus ou moins dans des ministères de jeunes et il est important pour chaque enfant de Dieu, au moins une fois dans l'année, de se rassurer que tout se déroule bien au sein de son organisme. De sorte que s'il y a une anomalie, il pourra mieux demander au Seigneur son intervention afin qu'il puisse acquérir la guérison divine. Et donc, c'est un appel. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu qu'on ne doit pas fréquenter les hôpitaux. Nous avons des personnes dans la Bible qui ont reçu une guérison à partir d'une orientation que le Seigneur a donnée. On a le cas d'Ézéchias qui a été guéri avec les feuilles de figue. On a également Naaman qui allait se baigner dans les eaux du Jourdain. Et donc, selon l'orientation que le Seigneur pourra donner aux uns aux autres, il ne faut pas se dire qu'on va exclure dans notre vie de tous les jours le bilan médical. Il est important, il est primordial, il est même nécessaire pour chaque personne, surtout à partir d'un certain âge, la cinquantaine, de se rassurer qu'au moins une fois dans l'année, on réalise un bilan de santé avant de pouvoir se lancer dans les grands combats du Seigneur. Parce que l'esprit est bien disposé, mais le corps est comme un cheval. Il faut prendre soin du cheval pour qu'il puisse nous amener loin et même très loin afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Le professeur Cyprien, rassuré de la disposition de l'équipe médicale, à étendre cette campagne de bilan de santé à toutes les localités à travers la nation. Ici, c'est le dirigeant de la région du Bélier qui nous a invités. Et nous sommes prêts à répondre à toute invitation venant d'un dirigeant d'une région quelconque. Comme vous l'avez si bien souligné, c'est dans la continuité du ministère pastoral de notre leader. Et donc, toute l'équipe de la Hope Medical Clinic est prête à répondre à toute sollicitation déjà. Et nous pensons que
Cela va, au fur et à mesure que les régions vont nous inviter, nous allons garder cette date et chaque année, à la même période, nous viendrons pour réaliser le bilan de santé pour nous rassurer que les frères se portent bien médicalement. Je tiens, au nom du comité médical, à dire d'abord merci à notre leader, le pasteur Boniface Migné, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire. Merci également à toute l'équipe de la Hope Medical Clinic. Merci à l'équipe de la RTVC. Merci à l'église de Yamoussoukro avec à sa tête le pasteur Tala. Cette campagne s'inscrit dans la continuité de l'offre que notre leader national a bien voulu offrir aux frères. Il s'agit d'une subvention des examens de sang qui normalement coûtent autour de 60 000, mais cette subvention permet à chaque frère de le réaliser à 15 000 francs. Et donc, le pasteur Tala, étant à la tête de la région du Bélier, a mobilisé les frères et leur a expliqué le bien fondé de ce bilan de santé, cette opportunité de pouvoir permettre aux frères de la région de Bélier d'en bénéficier. Et c'est dans ce cadre-là que aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, avant le grand événement du renversement des principautés, nous avons pu effectuer le déplacement à Yamoussoukro pour effectuer cette campagne qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulée et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. C'est une réussite pour nous parce que c'est une première. C'est la première fois que nous sortons d'Abidjan et nous pensons que avec l'engouement que cela a suscité à Abidjan et à Yamoussoukro, le Seigneur même nous demande au niveau de la Hope Medical Clinic de nous rapprocher des frères. Et donc pour nous, c'est déjà une réussite et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Le prochain défi à relever pour la Hope Medical Clinic sera d'assurer la couverture médicale pendant tous les 40 jours de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tiendra à Atiekwa du 1er juillet au 9 août 2023.